Ah, vous savez, ici, il y a une blague qui circule dans la rédaction, mais qui est révélatrice finalement. Est-ce que Donald Trump, après la Corée du Nord et l'Iran, n'a pas trouvé sa nouvelle tête de Turc? Vous savez, Erdogan est une tête de Turc de sa propre initiative, parce qu'il était temps de prendre des mesures contre Erdogan. N'oubliez pas que la Turquie est membre de l'OTAN et achète des missiles anti-aériens de la Russie. La Turquie qui fait tout pour détourner les sanctions contre l'Iran. La Turquie qui est un véritable cheval de Troie au sein de l'OTAN, qui s'oppose aux sanctions américaines contre l'Iran, qui fait tout pour protéger les Iraniens des sanctions américaines. Et puis une Turquie qui envahit une partie de la Syrie, qui appelle les zones libérées alors que ce sont des zones occupées par la Turquie. Et qui s'oppose aux forces kurdes qui elles-mêmes sont soutenues par les États-Unis. Donc c'est la politique d'Erdogan qui est contraire aux intérêts américains et il était temps de lui en faire payer le prix. Je pense que sous la précédente administration américaine, les États-Unis à l'époque avaient tout passé à Erdogan. Il n'y a aucune raison de tout lui laisser passer. Il est devenu un cheval de Troie au sein de l'OTAN et il s'oppose à la politique américaine contre l'Iran. Il est temps de prendre des mesures contre lui. Est-ce que le risque c'est justement de ne pas le pousser encore plus dans les bras de la Russie? Non, au contraire, plus il sentait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, plus il en faisait encore plus. Maintenant qu'il va voir qu'il y a un prix à payer pour sa politique hostile à l'Occident et hostile aux États-Unis, eh bien il va devoir repenser. Alors évidemment, maintenant, il accuse le monde entier des troubles de l'économie turque. Mais c'est lui le responsable. C'est lui qui a une politique budgétaire complètement irresponsable. C'est lui qui fait baisser les taux d'intérêt. Et c'est le seul personnage au monde qui pense que les taux d'intérêt élevés font baisser le cours de la monnaie. Il a des théories économiques que personne ne comprend. Il fait baisser les taux d'intérêt, il contrôle la Banque centrale, il met sa famille, son gendre comme ministre des Finances, et cette politique, il surdépense, donc évidemment la monnaie s'effondre. Après, il accuse des spéculateurs, on sait très bien à qui il fait référence, quand on dit les spéculateurs de la monnaie, etc., un complot contre la Turquie, on comprend très bien quels sont les... Il avait d'ailleurs parlé d'attitude sioniste de Donald Trump. Mais bien entendu, au lieu de prendre ses responsabilités, c'est lui qui est responsable de cette situation économique, comme je l'ai dit, une politique budgétaire irresponsable, de la nomination de ses proches à des postes clés et la prise de contrôle de la Banque centrale. Et c'est ça qui cause l'effondrement de la lire turque. C'est pas les marchés internationaux qui réagissent évidemment à cette politique irresponsable. Mais accuser ensuite les États-Unis, les Juifs, etc. pour tous les maux de la Turquie, c'est toujours la même rhétorique antisémite de Erdogan que l'on connaît. Mais c'est lui qui est le trouble fait. Alors vous êtes capable de la dénoncer parce que vous êtes un expert, mais est-ce que ça fonctionne finalement cette rhétorique anti-sioniste, assez vieux comme le monde, de désigner un ennemi commun pour rassembler, est-ce que ça fonctionne en Turquie ou bien il y a des premières fissures et Recep Tayyip Erdogan va être remise en question? Vous savez, malheureusement, depuis le coup d'État manqué il y a 2 ans, Erdogan a complètement mis fin à la démocratie turque. Il n'y a plus de démocratie turque. Il contrôle complètement les médias. Il a fait des purges partout, à l'armée, dans les médias, dans les universités. Donc il n'y a plus d'opposition. Donc on ne peut même pas savoir effectivement si cette stratégie marche, puisqu'il n'y a plus d'opposition. On n'entend plus. C'est lui, il contrôle complètement les médias. Donc si vous voulez, si la Turquie était toujours libre, on pourrait savoir si oui ou non il y avait une critique contre sa politique irresponsable qui consiste toujours à accuser le monde entier pour les maux de la Turquie, mais même ça on ne peut plus le savoir, parce que la Turquie malheureusement n'est plus une démocratie, qu'il a eu même cette réforme constitutionnelle qui lui donne des pouvoirs énormes, et qu'à la base, encore une fois, il n'y a plus de pouvoir judiciaire indépendant, il n'y a plus de médias indépendants. Il n'y a plus de véritable critique. Il a complètement vidé la démocratie de son sens et de son contenu. Merci beaucoup Emmanuel Lavotte pour cette